Bonjour, bonjour tout le monde. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire « L'avenir énergétique dont le Québec a besoin ». Je me présente, je m'appelle Marie-Ève Bélanger-Souté. Je suis chargée de projet en mobilisation chez Équiterre. Puis je suis accompagnée aujourd'hui d'Andréane Brazo, qui est analyste des politiques climatiques également chez Équiterre. Donc, on est vraiment très heureuse de voir qu'il y a autant de personnes présentes en ce mardi soir. On est près de 175 et ça monte à chaque seconde. Donc des personnes qui sont ici, qui sont intéressées par les questions énergétiques. Donc on sait, vous savez sûrement que le Québec se trouve en ce moment à un moment charnière. Puis on doit se poser plusieurs questions très importantes pour réussir notre transition énergétique dès maintenant. On entend déjà dans l'espace médiatique politique différentes visions qui commencent à émerger. Euh, puis qui s'affrontent en quelque sorte sur les chemins à prendre pour notre avenir énergétique. Alors, dans ce contexte, ça va être vraiment important d'avoir une population qui est intéressée et bien informée pour prendre les meilleures décisions possibles, puis euh, vous contribuer à ça en étant ici ce soir avec nous. Donc, un, un grand merci vraiment. Euh, donc, euh, parlant de, de, de vision qui émerge, mais donc ce soir, nous, notre objectif, c'était de vous présenter... Notre vision à nous, à ITER, euh, des solutions que le Québec doit privilégier pour relever les très grands défis euh, énergétiques devant nous. Donc, euh, notre vision, euh, c'est certain, elle est guidée par des principes euh, écologiques et de justice sociale. Euh, donc, on espère que ça va vous rejoindre et euh, je, je vais, je, ça va être un plaisir de, de présenter ça avec Andréane qui va vous en parler plus en détail tantôt. Euh, donc, je vous présente euh, rapidement l'ordre du jour, le menu de la présentation. Euh, donc, on va commencer avec une euh, mise en contexte euh, rapide. Euh, on va passer ensuite à un état des lieux, des enjeux de l'énergie au Québec. Puis après, euh, on rentre dans le vif du sujet avec notre vision, nos solutions. Puis on va terminer la présentation avec euh, une présentation, la, la question euh, cruciale de comment agir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, donc, à la fin de la présentation, il va y avoir une période de questions d'une dizaine, quinzaine de minutes. Euh, donc, elle va être vraiment à la toute fin du webinaire. Toutefois, si vous avez des questions pendant la présentation, euh, n'hésitez pas à aller les écrire dans la section que vous allez voir là, à votre écran, la section questions avec un petit point d'interrogation. Donc, pas dans le chat, mais vraiment dans la section questions. Puis, à la fin, on va retourner, puis on va... Tenter de répondre à certaines questions à ce moment-là. Euh, il y a également un de nos collègues euh, en coulisses euh, qui euh, va ré répondre à certaines questions euh, au fur et à mesure s'il y a des, des, des interrogations un, petit peu plus, un peu plus ponctuelles. Mais donc voilà, n'hésitez pas à les noter et on va pouvoir y revenir à la fin de la présentation. Donc, euh, euh, je vais passer tout de suite la parole à ma collègue Andréane pour euh, la, euh, la reconnaissance territoriale. Oui, ben, euh, bonsoir euh, tout le monde. Bien contente d'être avec euh, maintenant euh, 192 personnes, euh, moi aussi. Euh, donc, euh, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, euh, je mentionne rapidement que les bureaux d'équitaires sont situés sur des territoires autochtones non cédés par voie de traité qu'on appelle de nos jours Montréal et Québec. Nous reconnaissons que les premiers peuples protègent leur territoire depuis des temps immémoriaux et utilisent leur savoir traditionnel pour garder les terres et les eaux. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes de vivre sur ce territoire et tenons à poursuivre nos efforts pour le protéger. Euh, je repasse la parole à marie pour la petite mise en contexte, le retour sur l'actualité récente. Merci, Andréane. Merci beaucoup. Donc, euh, mise en contexte, j'essaie d'y aller rapidement. Donc, je voulais commencer la mise en contexte euh, pour répondre en fait à la question pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie aujourd'hui, pourquoi on parle d'avenir énergétique autant dans les, derniers, dans les derniers temps. Donc, je commence avec un fait d'ordre général qui ne va surprendre personne. Il y a une crise climatique à l'heure actuelle, puis à cause de cette crise, on doit absolument opérer une transition énergétique hors des énergies fossiles. Donc, ça, on le sait, évidemment, ça va nécessiter une quantité d'énergie verte et renouvelable importante. Donc, ça, c'est juste l'état des lieux très général. Euh, il ne devrait pas avoir de surprise. Mais pourquoi, depuis euh, les, la, les, derniers, les deux dernières années, là, puis dans les derniers mois, on parle euh, autant d'avenir énergétique? Euh, je vous ai fait donc un, un petit résumé de mon, de, de, de mon cru des, des derniers événements marquants qui euh, expliquent euh, explique cela. Donc, mars 2022. Euh, Hydro-Québec dépose son plan stratégique pour 2022-2026, euh, puis dans ce document-là, il indique que plus de 100 000, euh, pas 100 000 plus de 100 TWh additionnels d'électricité propre seront requis pour que les Québec atteigne la neutralité à l'horizon de 2050. Euh, donc, ce qui est nouveau là-dedans, c'est que ça, ça, ça note également que les surplus d'hydroélectricité seront bientôt euh, épuisés. Chose du passé, alors que euh, c'est un revirement de situation parce que dans les années précédentes, on pensait, on affirmait avoir des surplus pour des dizaines d'années encore. Donc, ce, ça, euh, euh, ça a nommé qu'on allait avoir des enjeux à court terme euh, de puissance, d'approvisionnement. On rentrera plus en détail là-dedans, mais bref, ce que ça voulait dire, c'est qu'il faut agir. On peut, la situation actuelle euh, est problématique, il faut agir. Donc, ça, c'est un peu l'élément déclencheur, je dirais, dans, euh, dans, dans, dans notre histoire. En octobre 2022, euh, donc euh, c'est au lendemain des élections euh, récentes de, de, de la CAQ euh, en 2022, euh, dans son nouveau cabinet, le premier ministre nomme euh, M. Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'économie, de l'énergie et de l'innovation. Donc, le dossier de l'énergie est déplacé du ministère des Ressources naturelles vers le ministère de l'économie et de l'innovation. Euh, donc, ce, euh, c'est pas anodin, ça laisse quand même comprendre que la vision énergétique va être intrinsèquement liée pour la suite des choses à, à la vision économique. Euh, puis le ministre lui-même ne se cache pas de souhaiter attirer et de développer des secteurs industriels qui sont énergivores pour euh, mettre euh, cette énergie propre qu'on a au Québec au service de la croissance économique. Donc, on voit vraiment le, le, le lien le, entre euh, la vision de développer euh, l'énergie dans une perspective de croissance économique. Donc, novembre 2022, un mois plus tard, dans son discours d'ouverture, le premier ministre François Legault eh, annonce eh, qu'il va falloir un vrai débat de société sur la transition énergétique. Donc, c'est une bonne nouvelle. Eh, on, nous, on, dans, dans l'équitaire, on était encouragés, beaucoup de, de groupes qui trouvaient ça rassurant, parce qu'effectivement, c'est des grandes questions qui s'en venaient, puis eh, c'est des questions sur lesquelles il allait falloir qu'on puisse réfléchir collectivement et débattre. Eh, donc... En janvier 2023, par contre, <laughs> moins rassurant, on a Sophie Brochu, vous vous en rappelez, c'est vraiment ça qui a fait un peu éclater le sujet dans l'actualité. Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec, qui démissionne après avoir lancé un ultimatum euh, quelques mois plus tôt qui avait, en avertissant que si les enjeux environnementaux n'étaient pas priorisés euh, dans, dans les dossiers d'énergie, elle était prête à démissionner. Euh, puis bon, ben, il y a quelques qu mois plus tard en, en admettant que c'était pas ça la raison, mais euh, c est, c est, ça, ça reste que euh, on, on, on peut quand même se, ça, a, ça a été quand même marquant puis ça a laissé certaines personnes se soulever des, des, des questions et des inquiétudes à ce sujet-là. Euh, donc, au lendemain de l'annonce de son départ, je noterai que le premier ministre a affirmé directement vouloir la remplacer par une personne en mode développement. Donc, encore une fois, on revient un peu avec cette vision-là de euh, développer l'énergie euh, euh, dans une perspective très économique euh, et euh, développement économique. Donc, euh, février 2023, on, 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 tous ces événements-là ont mené une certaine. Euh, attention de la part de la population, mais notamment aussi de la société civile et des groupes écologiques sur les enjeux d'énergie. Donc, euh, Équiterre, euh, avec sans autres groupes euh, et experts, on décide de se lancer dans une campagne sur l'avenir énergétique parce qu'on constate que ça va être très très important d'être mobilisé sur cette question-là. Et on veut, ré on réclame que la population du Québec soit conviée à un vrai débat de société sur l'avenir énergétique. Euh, plus spécifiquement, on demande que ce débat-là prenne la forme euh, D'une consultation générique du BAP, donc que ce soit chapeauté par le BAP, qui est une instance indépendante, neutre, euh, reconnue internationalement. Euh, donc, euh, on, on, est, on, on demande à ce que ce soit l'instance qui mène cette consultation. Donc, il euh, donc, y a eu un, un, petit, un petit moment d'attente euh, entre, euh, entre ces moments-là. Et depuis ce temps, euh, en fait, pas plus tard qu'il y a, euh, qu il y a je, je, je pense, je dirais deux semaines ou une semaine, eh, avril 2023, on a l'annonce finalement que le gouvernement va, eh, va eh, tenir une consultation. Eh, donc, eh, <laughs> on, était, on était en train de finir de préparer le webinaire quand ça, ça, a, été, ça a été annoncé. Donc, eh, on a finalement l'annonce de, de cette consultation. Eh, puis, eh, malheureusement, cette consultation-là, elle est très loin du débat de société attendu eh, par les groupes. Eh, donc, je, 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 je vous nomme rapidement parce que c'est important pour la, la, la suite des choses, euh, puis je reviendrai à la fin avec ça. Ce, mais euh, cette, cette, cette consultation-là, elle va porter sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec plutôt que sur euh, des questions euh, plus larges d'avenir énergétique, de consommation et, et de, 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 des impacts des développements euh, d'infrastructures. Euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, la biodiversité, etc. Donc, euh, la, le périmètre de la consultation est, est beaucoup plus petit que ce qui était attendu dans un vrai débat de société. La consultation, elle est fermée. Donc, il y a une seule journée de consultation d'experts ex, qui sont des personnes triées sur le volet. Donc, elle est pour ouverte à, aux différents groupes qui sont sur différents secteurs. Puis, elle va avoir lieu euh, le 15 mai, donc dans deux semaines, ce qui donne très peu de temps de préavis pour se préparer pour ces groupes-là. Puis, euh, cette consultation-là a un volet de consultation citoyenne, mais ça se déroule sur une plateforme en ligne euh, qui est opaque, donc pas transparente. On ne peut pas voir, le, en tout cas pour le moment, l'information qu'on a, c'est qu'on ne peut pas voir euh, qu'est-ce qui va être déposé. Puis, ça va avoir lieu dans, durant la période estivale du 1er juin au 1er août, donc vraiment la période où les gens. Sont le plus disponibles et intéressés par la politique. C'est sarcastique. Là. Donc, c'est vraiment une période où est-ce qu'il y a le moins de, le, 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 la, moins, la moins de capacité pour les personnes de, de, de suivre les nouvelles et de participer politiquement. Et euh, tout ça, euh, cette consultation-là vise le dépôt d'un projet de loi euh, à l'automne 2023. Donc, on voit que c'est vraiment une chaîne d'événements où est-ce qu'il y, y a déjà un projet de loi qui est réfléchi au bout de tout ça. Donc, forcément, ça nous préoccupe euh, comme cette consultation-là porte. Euh, Porte sur un périmètre qui est trop petit. Elle n'est pas indépendante et transparente comme on aurait voulu. Elle ne permet certainement pas le dialogue social donc c'est-à-dire permettre aux Québécois et Québécoises de, de, de suivre le sujet, de s'y intéresser, à ce que ça soit dans l'actualité, puis à ce que tout le monde puisse vraiment se, 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 se positionner, puis dire qu'est-ce qui est bon pour moi, puis qu'est-ce que je veux. Pour nous, pour notre bien commun. Donc, ça, ça permettra pas ça, comme c'est juste une plateforme en ligne. Et la consultation d'experts et d'expertes, elle est fermée, comme je disais. Donc, ça exclut plusieurs perspectives qui sont super importantes des perspectives sociales, des perspectives environnementales. Donc, on ne veut pas juste des, des, des personnes qui travaillent dans, dans l'énergie ça, ça va toucher tous les secteurs de la société. Donc, grosso modo, là, je vous résume, mais c'est un peu l'état des lieux aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Je vais passer maintenant euh, la parole euh, à, euh, à Andréane, qui va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet euh, avec l'état des lieux. Oui, merci. Donc, oui, je commence avec un petit topo de la situation énergétique pour voir en fait d'où on part, puis vers quoi on doit aller et aussi bien, sur quoi devrait porter vraiment les, la consultation. Donc, quelles questions est-ce qu'on devrait se poser? Pour nous, c'est évident que les questions qu'on doit se poser bien, sont plus larges que celles que le gouvernement pose en ce moment, donc qui sont vraiment axées sur la productivité, la production supplémentaire d'énergie. Euh, mais on va commencer euh, avant d'aller euh, plus loin euh, par des petites questions pour tester vos connaissances de base en énergie. Euh, donc, euh, première question pour, euh, pour le public euh, avec nous ce soir. Euh, quelle part de l'énergie produite au Québec est de sources renouvelables? Donc, vous avez quatre options à l'écran. Je vous laisse 10 secondes, donc euh, environ euh, donc 0 au moins 50 entre 80 et 90 selon les années ou 99 Donc encore euh, quelques secondes. On peut afficher les résultats. En fait, euh, c'est moi qui les vois. Et euh, ben la réponse c'est 99% et c'est 20% des gens qui l'ont eu. Donc, c'est... En fait, vous allez le voir, on va voir le portrait. La majorité de l'électricité qu'on produit, en fait, est de sources renouvelables. Donc, à la très grande majorité, avec 99%. Mais avant de continuer sur le portrait, on va aussi poser une deuxième question pour tester vos connaissances. Quelle est la différence entre l'énergie et la puissance? Donc, est-ce que l'énergie, c'est le débit et la puissance, la capacité à produire un travail? L'énergie est la capacité à produire un travail et la puissance, la durée dans le temps? L'énergie est la capacité à produire un travail et la puissance est un débit? Ou l'énergie et la puissance sont des synonymes? Encore une fois, je vais vous laisser euh, un petit 5 secondes. Je vois que les réponses entrent encore, donc je vais prendre un autre petit 3 euh, à 5 secondes. Donc, euh, la moitié des gens euh, ont eu la bonne réponse euh, environ. Euh, et donc, euh, la bonne réponse, c'était euh, l'option. En fait, c'était l'énergie et la, capac la capacité à produire un travail et la puissance, c'est un débit. D'ailleurs, on va vous donner un petit peu plus de détails dans le chat à ce sujet parce que c'est quand même une notion qui n'est pas euh, si simple à intégrer. Donc, de quoi ça a l'air euh, au Québec, notre production? Mais vous le voyez, en fait, si vous regardez à gauche, vous voyez que la très grande majorité de l'électricité provient de l'hydroélectricité. Euh, Contre 4, ben, presque 5 pour l'éolien et moins de 1 pour le reste. Euh, donc, rapidement, là, en termes d'énergie, on a produit en 2021 212 TWh et en 2018, notre puissance était 45 000 MW. Euh, mais Marie-Ève l'a mentionné, il y a quand même des enjeux en lien avec l'énergie. Bien sûr, le fait qu'on qu qu ait une vision de société, que, que notre gouvernement ait comme plan de, de, de décarboner la société en électrifiant, eh bien, ça va faire, ça va accroître la, la pression, ça va accroître la demande en énergie, donc qui devrait croître de 14 d'ici 2032, selon Hydro-Québec, et de plus de 50 d'ici 2050 pour atteindre si on, si on veut atteindre la carboneutralité. Donc oui, notre énergie est très propre. Mais le fait que la demande soit appelée à augmenter, non seulement à cause de la croissance naturelle, mais aussi à cause de l'électrification de beaucoup de nos activités, euh, ben, ça fait en, en sorte que si tout reste pareil, si la tendance se maintient, ben, on va en manquer d'électricité euh, et, et, et de cette énergie propre. Euh, aussi, ben, il y a un autre enjeu euh, c'est qu'au Québec, ben, il y a 49 de l'énergie qu'on produit et qu'on transforme qui est perdue. Donc, on a vraiment un enjeu de gaspillage énergétique. Euh, Très important et qui pourrait vraiment, en fait, euh, si, si on le réglait, en fait, libérer beaucoup euh, d'énergie pour, pour combler les besoins qui nous manquent. Donc, euh, ben, maintenant qu'on a un meilleur portrait de notre production, on, allons voir euh, notre consommation d'énergie euh, avec une autre petite question. Donc, je vais vous laisser un, un 10 secondes, euh, 10-15 secondes. Quelle part de l'énergie consommée au Québec est de source renouvelable? Est-ce que c'est 25

En fait, je vais m'arrêter ici et je vais prendre les chiffres que je vois parce que le pourcentage de personnes qui ont donné cette réponse sont pile poil sur la. Donc, il y a 53 des gens qui ont répondu environ 50 Et ben c'est la réalité. Donc, en fait, c'est 47 de, de, de l'énergie qu'on consomme qui est de source renouvelable et 53 donc qui est issue des, qui, des, des, ben, des énergies non renouvelables, donc des énergies fossiles. Donc, j'imagine que vous commencez à voir ce qui cloche avec notre énergie au Québec. Donc, euh, donc étant donné que c'est... En fait, je vais vous résumer le, le, les graphiques à l'écran. Euh, donc, c'est plus de la moitié de l'énergie qu'on consomme qui provient des hydrocarbures, donc le pétrole, le gaz naturel, le charbon, tout ça. Euh, et vous voyez par type, plus précisément, en haut à gauche... L'enjeu qu'on a avec l'énergie avec au Québec, c'est que ce qui est en bleu pâle, donc à 42 l'électricité, euh, ça va devoir croître énormément euh, sur le cercle pour, euh, pour, pour atteindre nos cibles, nos cibles climatiques euh, et, et pour atteindre la carboneutralité, donc, et ce qui fait ben, pour remplacer donc, toutes les énergies qui sont de sources fossiles. Bon, en plus, ben, je vais simplement mentionner que ce n'est pas très bon non plus pour notre économie, étant donné qu'on importe plus d'énergie fossile qu'on exporte de notre électricité propre. Euh, donc, c'est un autre enjeu euh, qu'on soulève. Euh, ben, donc ensuite, ben, je réitère euh, les défis. Hydro-Québec prévoit euh, que la demande en énergie et en puissance vont, euh, va augmenter dans son plan des dix prochaines années, et euh, les, les besoins euh, justement en puissance euh, sont estimés à environ Trois fois la capacité du complexe de la Romaine. Euh, pour ceux et celles qui connaissent euh, l'ampleur de ce complexe-là, euh, je pense que c'est une image assez frappante. Euh, donc, on, on a vraiment un enjeu euh, euh, au niveau <laughs> de notre décarbonation. Euh, donc, je veux quand même expliquer d'où ces, ces hausses attendues viennent. Donc, évidemment, euh, le virage électrique de nos bâtiments et de nos euh, procédés industriels en fait partie, mais il y a aussi beaucoup euh, des secteurs comme les centres de données, euh, puis la production d'hydrogène renouvelable qui vont aussi être très énergivores euh, dans le futur. En gros, euh, cette croissance-là reste que c'est seulement si le statu quo est maintenu euh, dans nos activités comme société. Et donc, nous, ce qu'on qu va proposer, c'est de revoir comment euh, on mène euh, nos activités, euh, comment la société est gérée et organisée. Euh, et, et je vais en parler un petit peu plus loin, mais donc, on, on, va bien, on, on voit bien qu'il va falloir de toute évidence consommer moins d'énergie de manière générale. Euh, et aussi ben, éviter de consommer trop d'énergie au même moment. Donc, euh, c'est la, la fameuse gestion de la pointe euh, parce que euh, ben, les infrastructures qu'on a actuellement ne euh, seront pas en mesure de fournir euh, dans le futur. Donc euh, ici, ben, vous voyez qu'en comparaison avec d'autres États et d'autres juridictions à travers le monde, ben, le Québec ne fait pas bonne figure en termes de consommation énergétique par habitant ou habitante. Euh, ça s'explique de différentes euh, manières. Donc d'une part, il euh, y, euh, y a beaucoup euh, d'industries très énergivores qui viennent ici à cause du, fa du faible prix de, de l'hydroélectricité. Euh, et ben, il y a aussi un autre aspect qui est vraiment non négligeable, ben, c'est qu'on consomme tout simplement beaucoup, euh, surtout dans nos transports et dans nos bâtiments. Euh, en fait, on consomme beaucoup plus que dans des pays euh, d'Europe où le niveau de vie est euh, comparable. Donc, euh, si je résume les problèmes auxquels on va faire face, ben, premier problème, euh, on consomme beaucoup trop. Ensuite, ben, nos surplus d'électricité euh, sur lesquels on, on, on s'assoyait, disons, ben, sont en train de fondre. On, on va manquer d'électricité euh, à cause de l'électrification de notre économie. Euh, et il va donc nous falloir plus d'énergie et plus de puissance euh, à moyen terme. Et puis, ben, en parallèle à ça, ben, il y a la crise climatique qui s'accélère et qui s'intensifie. Euh, et pour y faire face, ben, justement, il va en falloir de l'électricité. Donc, vous voyez l'interconnexion euh, entre les deux. Euh, on a atteint de, de justesse, vraiment de justesse notre cible climatique de 2020. Et c'était vraiment de manière circonstancielle parce que dans les faits, on n'était pas en voie de l'atteindre. La pandémie a, a vraiment donné un, un, bon, un, un, un bon appui au gouvernement pour atteindre la cible de 2020. Donc, on n'est pas non plus en voie d'atteindre la, la, la cible de 2030. Et euh, dans, un, dans le contexte où même la cible de 2030 en soi, donc réduire de moins 37,5 nos émissions. Euh, elle est insuffisante euh, à l'égard de la science et de notre juste part à l'échelle mondiale. Donc, euh, ben, je termine aussi, ben, je mentionne aussi que euh, déjà qu'on a une cible insuffisante pour 2030, euh, on n'a pas non plus de mesures qui sont, euh, en fait, les mesures prévues ne sont pas suffisantes pour atteindre cette cible-là. Euh, donc, euh, en fait, si on planifiait réellement l'atteinte de cette cible-là, euh, la demande en énergie propre pourrait potentiellement être encore plus grande qu'anticipée. Euh, donc, euh, tout ça, ben, ça se passe parallèlement à l'intensification euh, des effets de la crise climatique. Donc, euh, événements euh, météorologiques extrêmes, euh, inégalités qui s'accroissent, euh, les coûts sociaux ben, qui vont augmenter aussi. Euh, on n'est pas préparé pour euh, les, le dérèglement du climat et ben, l'adaptation va être nécessaire. Euh, donc, il faut vraiment... Il faut vraiment tenir compte de ces enjeux-là quand on pense à la transition énergétique. Euh, et on voit que, que le gouvernement n'est pas en train de le faire. Il voit encore l'énergie comme euh, de, manière, euh, de manière isolée par rapport aux autres questions de, de la société. Bien, on arrive, on arrive donc au moment où je vais vous présenter notre vision. Donc, pour reprendre les mots d'un certain élu fédéral que je nommerai pas, notre vision, c'est celle du gros bon sens. Et je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. Donc, il y a quatre principes d'abord qui, qui guident notre vision. Je viens de le mentionner, mais il nous faut nécessairement plus d'ambition climatique. Le climat et l'énergie, c'est vraiment des questions indissociables. Donc, il nous faut une cible qui est rehaussée, qui est actualisée. Il nous faut aussi des mesures beaucoup plus musclées si on veut même penser atteindre cette cible-là. Et pour ce faire, bien, il va aussi nous falloir plus d'électricité propre. Donc là, ceci étant dit, on n'aura pas le choix d'avoir une vraie stratégie énergétique qui est compatible avec la carboneutralité d'ici 2050. Une, une stratégie qui va vraiment proposer une approche qui est systémique et qui va donc toucher à tous les secteurs de l'économie pour répondre aux enjeux de gaspillage énergétique euh, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, pour résoudre euh, les enjeux, bien, on n'aura pas juste à se poser la question, à savoir, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise énergie, mais aussi, est-ce qu'elle est optimisée, euh, par exemple. Donc là, il faut vraiment penser à tous les différents éléments qui demandent de l'énergie, donc que ce soit l'éclairage, le chauffage, la climatisation, les procédés industriels, la mobilité des personnes, la mobilité des marchandises, etc. Donc c'est très très large et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision qui est, qui est systémique et qui est structurante. Le prochain critère, évidemment, ben, c'est le respect des capacités physiques et sociales de notre territoire. Donc, ça réfère bien sûr à la protection de la biodiversité, mais aussi au respect euh, des, des communautés qui peuvent être affectées et qui seront euh, assurément affectées par euh, des nouveaux projets de, de production énergétique. Ben, dernier critère, non le moindre, dans la même optique, ben, l'équité et la justice environnementale, les, les futurs projets auront des impacts. Et euh, il faut en tenir compte. Le coût de l'énergie aussi est un élément à garder en tête euh, qui, va, qui va avoir des impacts sur les communautés les plus vulnérables. Et euh, en parallèle, c'est incontournable, ben, les effets de la crise climatique aussi affectent beaucoup plus euh, les personnes les plus vulnérables qui sont beaucoup moins en mesure de s'en sortir euh, d'un point de vue financier. Donc, si on garde en tête les quatre critères que je viens de présenter, les quatre éléments de, de notre vision, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, C'est sûr que pour réussir notre transition énergétique, il va falloir maîtriser notre énergie. Donc, en d'autres mots, euh, on parle ici de favoriser la sobriété énergétique et, ben, de manière complémentaire, l'efficacité énergétique aussi pour minimiser les pertes. Donc, ce que ça veut dire, donc, c'est que la sobriété et l'efficacité, bien, ça doit devenir nos moyens, notre principal moyen de production énergétique avant même de penser à développer de nouvelles infrastructures, par exemple. Euh, donc, avant d'aller plus loin, on, on va aussi explorer le thème de la sobriété énergétique, qui est un thème de plus en plus utilisé dans l'espace public et donc, conséquemment, de plus en plus galvaudé dans l'espace public. Euh, donc, euh, on a un dernier sondage pour vous, une dernière question pour parler de la sobriété. Pour introduire le thème de la sobriété. Donc, je vous laisse un petit 10 secondes. Donc, laquelle de ces activités est une forme de sobriété euh, Faire sécher sa vaisselle sur le comptoir Acheter un lave-vaisselle certifié éco-énergétique Partir son lave-vaisselle à minuit ou toutes ses réponses Je vais laisser. Quelques secondes encore une fois. Je vais attendre que ça, se, que les entrées de vote se stabilisent. Donc encore quelques secondes. Bon, je pense qu'on a un bon portrait. Donc il y a 64% des gens qui ont dit toutes ces réponses. Malheureusement, ce n'est pas euh, la réponse qu'on cherchait. Euh, la réponse qu'on cherchait, c'est faire sécher sa vaisselle sur le comptoir, euh, qui est euh, à 31 ben, d'ailleurs, hein, je spécifie que c'est une image. Euh, les petits gestes, bon, c'est bien beau. C'est nécessaire, euh, mais c'est clairement pas insuffisant et il faudra euh, faire ce genre de mesures à l'échelle de la société dans nos choix collectifs. Donc, c'était juste vraiment pour illustrer euh, ce qu'est la sobriété. Euh, acheter un lave-vaisselle certifié éco-énergétique aurait été euh, euh, améliorer l'efficacité énergétique. Et partir sur la vaisselle à minuit, en fait, c'était l'idée farfelue de Fitzgibbon dans les médias récemment, pour ceux et celles qui auront compris la référence. Euh, donc, euh, explorons un peu plus le thème de la sobriété. Donc, la sobriété, euh, ça veut dire. En fait, si on résume la question, euh, sobriété, ça veut dire consommer moins, alors qu'efficacité veut dire consommer mieux. Euh, donc, euh, la sobriété, c'est vraiment de miser sur la réduction des besoins, donc la réduction à la source, tout en conservant un niveau de service qui est compatible avec le bien-être humain et qui respecte les limites environnementales. L'efficacité, bien, c'est de faire une meilleure utilisation de l'énergie qui est disponible. Euh, en fait, ensemble, la sobriété et l'efficacité doivent être nos priorités parce que ça a beaucoup de potentiel. Même le GIEC en a parlé dans son dernier rapport, euh, euh, où il dit, en fait euh, le GIEC utilisait le mot suffisance pour parler de, de l'idée de sobriété. Euh, et donc, euh, ça doit vraiment être au cœur de notre vision et de notre stratégie énergétique pour le Québec. Et, en fait, si on regarde les chiffres et, et, et ce que le statu quo nous dit qu'on aura besoin comme énergie dans le futur, ce serait tout simplement irresponsable et coûteux de planifier la production euh, énergétique en 2050 en fonction de nos habitudes actuelles. Donc concrètement, là, euh, ça peut bien sûr passer par la modernisation des infrastructures, des, des équipements qu'on a déjà euh, dans nos barrages, euh, donc de produire plus avec des rivières qui sont déjà harnachées. En fait, Hydro-Québec nous disait qu'il y aurait quand même une énorme part des 100 TWh nécessaires d'ici 2050 qui peuvent être comblés en mettant, en modernisant leurs équipements. Il y a aussi différentes innovations qui peuvent être utilisées. Par exemple, les, les, le service ILO d'Hydro-Québec qui va proposer là, éventuellement des bornes bidirectionnelles pour les véhicules électriques, donc les véhicules qui pourraient servir d'énergie pour les, les, les maisons. Donc, en fait, si on, on regarde ça largement à l'échelle du Québec, où il y a 5 millions de véhicules en circulation, bien, si on les remplace tous par des véhicules électriques, par exemple, bien, ce qu'on ne propose pas de faire, mais quand même, c'est pour illustrer le propos, là, on, on a quand même une énorme quantité d'énergie qu'on peut venir chercher. En fait, c'est l'équivalent d'un barrage de 40 000 MWh. Donc ce qu'on propose tout simplement ben c'est d'avoir une réelle vision euh, de l'énergie au Québec donc une vision centrée sur la maîtrise de l'énergie d'aller chercher toutes les économies d'énergie que l'on peut dans tous les secteurs de la société. Donc ce que ça veut dire ben, c'est qu'on doit avoir une vision à long terme qui va proposer des changements systémiques et euh, et, et aussi bien, qui va être arrimé avec les différentes politiques et les différentes euh, et les différents plans du gouvernement. Euh, le plan pour une économie verte, par exemple, c'est le plan climat du Québec. Euh, en fait, il, il doit il doit, il doit parler au plan énergétique, tout comme le plan de mobilité durable, la, la, la politique d'aménagement du territoire également. Bref, il faut vraiment que tout soit imbriqué ensemble pour que ça ait du sens et que, et que l'un n'empêche pas l'autre, mais que l'un appuie l'atteinte des objectifs de l'autre. Tout ça, bien évidemment, pour être en mesure de répondre à la crise climatique adéquatement et surtout à temps. Euh, donc, maintenant, je vais juste passer euh, concrètement dans certains des secteurs de la société pour voir ce on, comment on peut euh, miser sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Euh, euh, donc, en fait, ce qu'on propose, c'est de, de, de maximiser ces mesures-là avant de même penser euh, produire davantage, par exemple, avec des nouveaux barrages. Donc, qui devrait vraiment arriver bien loin dans la liste des priorités en termes d'énergie. Donc, euh, je commence avec le secteur des transports euh, et de l'aménagement. Donc, pour faire un lien clair là, entre climat et, et, et énergie, vous allez le voir ici, le secteur des transports compte pour 70% de la consommation totale de pétrole au Québec. Et on sait que le pétrole, on doit s'en défaire si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Et en fait, tout de suite, on, on va voir que, en fait, le secteur des transports est responsable de près de la moitié des émissions de GES au Québec. <laughs> Par contre, ben, euh, un autre élément euh, très intéressant, mais aussi très inquiétant, euh, c'est le fait que notre parc automobile, en fait, est toujours plus gros, euh, composé de véhicules toujours plus gros, toujours plus de véhicules sur nos routes et qui parcourent de plus en plus grandes Distance. Ce que ça veut dire, ben, ça veut dire que ben, en fait, des experts appellent, appellent ça euh, euh, un état d'ébriété énergétique parce qu'on ne s'en va pas du tout dans la direction de la sobriété en termes de transport à l'heure actuelle. En fait, si euh, la tendance se maintient, la dernière voiture sera vendue en 2028 au profit des euh, VUS et des camionnettes euh, ou les pick-up en anglais. Donc, en fait, même s'ils sont électriques, les, les VUS, par exemple, peuvent consommer jusqu'à 50 plus d'énergie qu'une voiture électrique. Donc, on ne peut pas simplement penser qu'on va pouvoir électrifier tout le parc automobile et, et, qu va pouvoir, et que ça va suffire, en fait, pour, pour faire face à la crise climatique. Il y aura certainement des changements à, à faire en transport. Donc là, je vais passer assez rapidement sur cette slide qui nous montre en fait qu'il y a beaucoup de statistiques, bien, qui montrent beaucoup de statistiques et ces statistiques-là, ce qu'elles nous disent, c'est que la consommation énergétique et les émissions de GES de nos véhicules continuent d'augmenter tout simplement. Donc, comme je l'ai mentionné, on a, oui, des gains d'efficacité énergétique dans nos véhicules, mais ils sont entièrement annulés par le fait qu'il y a plus de véhicules qui sont plus gros et qui parcourent de plus grandes distances. Bien, donc, la, appliquer la sobriété et l'efficacité énergétique en transport et en mobilité, c'est très simple. Il y, a, il y a une approche éprouvée par les, la communauté scientifique qui nous dit, en fait, qu'il faut réduire, transférer et améliorer dans cet ordre, suivant euh, cette priorité. Donc, comment est-ce qu'on réduit? Bien, euh, en repensant comment on aménage notre territoire, en minimisant l'étalement urbain, en favorisant la densification pour réduire les besoins de transport, euh, entre autres. Euh, on doit aussi transférer euh, les, 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 les déplacements hors des, euh, des, des véhicules euh, conduits, en, en, bref, hors de l'auto solo. Donc, que ce soit pour favoriser le transport collectif, la mobilité partagée, la mobilité active, euh, il faut réduire la demande énergétique parce que l'auto solo, c'est le mode de transport euh, le, moins, euh, le, moins, euh, le moins efficace d'un point de vue énergétique. Et bien, en dernier, une fois qu'on a, qu a réduit et transféré autant que possible, là, on va venir à chercher, on va venir chercher à électrifier les véhicules restants pour améliorer leur performance énergétique. Donc, ça vient vraiment dans un troisième temps et c'est un peu l'approche qu'on doit avoir là, dans tous les secteurs de l'économie. Donc, ne pas seulement miser sur l'efficacité et c'est pour ça qu'on dit que la sobriété doit venir avant. En gros, les solutions en transport, elles sont euh, multiples. Par contre, ben, elles prennent du courage. Je ne vais pas passer euh, les unes après les autres, mais c'est différentes mesures de politique publique qui peuvent être mises en place pour euh, ben, suivant en fait l'approche que je viens de présenter, donc l'approche réduire, transférer, améliorer. Et euh, ben, le même principe peut aussi s'appliquer en transport de marchandises, qui est un autre enjeu, un autre sous-secteur des transports euh, dont les émissions et la demande énergétique sont en augmentation, principalement parce qu'on fait venir trop de patentes sur les Amazones de ce monde et euh, de plus en plus. Donc, euh, en fait, vous voyez encore une fois qu'on euh, on mise d'abord sur les modes de transport qui sont moins énergivores, donc les vélos cargo à assistance électrique. Euh, ensuite, on peut optimiser les systèmes logistiques. Optimiser les systèmes logistiques, en gros, ça veut simplement dire de s'assurer que chaque véhicule qui roule est plein. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de, de camions de marchandises qui sont à moitié vide ou même qui, une fois qu'ils ont livré, ben, une fois qu'ils ont livré avec leur camion à moitié vide, ben, ils vont revenir à leur point de départ avec un camion vide. Donc, si on pouvait maximiser... Optimiser ces systèmes-là, ces chaînes logistiques-là, on aurait vraiment des gains importants en termes, en termes énergétiques. Et ensuite, donc, bref, en dernier, on a l'électrification des véhicules. Donc, vous voyez que, que la sobriété a beaucoup de sens quand on le prend. En fait, la, la sobriété comme priorité a beaucoup de sens pour réduire la demande énergétique. Donc, on va faire rapidement là, le même exercice dans d'autres secteurs. Ça va être un petit peu moins exhaustif. Euh, donc, pour le secteur de la production et la consommation, donc tout ce qui touche à nos biens, euh, en fait, on peut réduire la, on peut réduire la demande énergétique en, en misant sur la réduction à la source et le réemploi. Euh, donc, comment on peut faire ça? Bien, en. en en favorisant l'émergence de l'économie, de la réparation, donc s'assurer de prolonger la durée de vie de nos biens, euh, donc d'avoir aussi des garanties qu'on va pouvoir faire réparer nos électroménagers, nos téléphones, nos ordinateurs, tout ça, euh, parce que chaque, chaque, chaque bien qu'on a ici et qui n'a pas été conçu ici a, a, a demandé de l'énergie euh, pour arriver jusqu'à nous, évidemment. Donc, toute mesure qui favorise la, le, le prolongement de la durée de vie de nos biens euh, est à prioriser. Ensuite, en agriculture et en alimentation, euh, il faut qu'à chaque étape de, de la production alimentaire, on, 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 on maximise, euh, en fait, ben, qu'on qu qu adopte plus de, de, de sobriété et d'efficacité énergétique euh, dans, euh, à chaque étape. Donc, euh, donc par exemple, pour l'étape de la production, la première étape, ben, soutenir les fermes qui utilisent des méthodes qui sont peu mécanisées euh, et qui sont aussi souvent, par le fait même, agroécologiques. Puis dans un deuxième temps, on pourrait aussi euh, privilégier les cultures qui sont adaptées aux hivers québécois, par exemple. Euh, ensuite, ben, transformation. Euh, en fait, il y a des mesures qu'on peut prendre dans chacun à chacune de ces étapes-là. Euh, gestion des matières résiduelles, par exemple, ben, on peut penser à mettre en place des politiques euh, qui qui vont mettre fin ou qui vont du moins lutter euh, contre le gaspillage alimentaire. Donc, on continue avec deux autres secteurs, donc dans les bâtiments et les industries. Euh, commençons avec les bâtiments. Euh, en fait, parce qu'on a toujours plus de logements, euh, en fait, la consommation énergétique des bâtiments est euh, celle qui a connu la plus forte croissance depuis 1990, donc près de 500 en plus euh, donc en énergie pour nos bâtiments. Pourquoi? Bien, pour différentes raisons, euh, que ce soit parce qu'on a des étés plus chauds qui vont demander euh, plus de climatisation, euh, aussi parce qu'on a plus d'argent et donc euh, des normes de confort plus élevées. Euh, et c'est un peu euh, ce sur quoi on veut euh, on peut réfléchir avec vous ce soir. Donc, est-ce que euh, la sobriété veut nécessairement dire moins de confort? Euh, à nos yeux, pas nécessairement. Euh, donc, en gros, comment est-ce qu'on peut euh, miser sur la sobriété dans euh, nos bâtiments mais, et l'efficacité énergétique dans ce cas-ci plus particulièrement? Bien, euh, on doit absolument, urgemment éliminer les énergies fossiles de nos bâtiments. Donc, euh, interdire le raccordement et l'installation de systèmes de chauffage et de cuisinières au gaz dans toute nouvelle construction. Euh, D'ailleurs, l'État de New York vient d'annoncer euh, qu'ils vont faire de même, qu'ils ben, qu vont le faire. Euh, et euh, pour ce qui est des bâtiments existants, ben, interdire le remplacement et la, et la réparation des appareils de chauffage au gaz par un autre appareil qui fonctionne aussi euh, avec euh, des énergies fossiles. Euh, on doit aussi, subventionner les solutions d'innovation comme îlot, d'Hydro-Québec ou comme les systèmes d'accumulation de chaleur. Euh, favoriser aussi les pratiques de sobriété comme baisser le chauffage, limiter l'eau chaude, isoler les bâtiments, tout ça. En fait, de s'assurer que euh, les individus, euh, ben, que ce soit l'option la plus, en fait, d'encourager les individus à le faire grâce à, à nos politiques, et à nos choix collectifs. Donc du côté des industries, en fait, permettez-moi une gorgée d'eau. Du côté des industries, ben, en fait, euh, ben euh, j'ai un chiffre particulièrement frappant pour ce secteur-là. En fait, 60% de l'énergie consommée par le secteur industriel au Québec est perdue. Et ne génère aucune valeur ajoutée. Donc, c'est absolument énorme. Et c'est pour ça que, du côté des industries, bien, il faut minimiser les pertes énergétiques. Donc, il faut développer des programmes de sobriété euh, et d'efficacité, bien évidemment. Il faut aussi favoriser les boucles de chaleur euh, dans une optique d'économie circulaire euh, imposer des conditions euh, au financement et à l'octroi de subventions aux entreprises. Euh, donc, pour s'assurer qu'elles mettent elles-mêmes en place le plus de mesures de sobriété et d'efficacité possible. Et puis, en dernier, suivant la même séquence que dans les autres secteurs, ben, électrifier euh, dans un dernier temps. Après ça, il faut aussi faire un, un usage qui est avisé euh, du gaz naturel renouvelable et de l'hydrogène vert, euh, qui sont euh, deux énergies ben, énergivores euh, et qui euh, sont disponibles en quantité très limitée, qui sont aussi coûteux. Donc ce sont des sources d'énergie à utiliser seulement quand l'électrification n'est pas possible bien, un peu dans le même optique que tantôt donc quand je mentionnais que les projets industriels actuels au Québec sont très 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 énergivores ben en fait il faut maintenant se poser la question est-ce qu'on peut se permettre d'avoir aussi peu de critères ou d'avoir d'accepter un peu toutes toutes sortes d'entreprises, euh, je pense que c'est vraiment important qu'on choisisse mieux les industries qui viennent s'installer chez nous pour limiter les pertes énergétiques qui sont très 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 importantes comme je le disais. Bon, une fois qu'on a tout fait ça, ou du moins euh, qu'on a tout prévu ça, qu'on a des mesures prévues pour les prochaines années en sobriété et en, et en efficacité énergétique, ben, on va évaluer les besoins de production, euh, l'approvisionnement manquant, et c'est là qu'on va pouvoir venir euh, se poser des questions euh, par rapport à, à ce qu'on veut comme source d'énergie. Est-ce qu'on veut des nouveaux barrages, etc., des, des nouvelles centrales? Euh, avant de faire ça, bien sûr, il va falloir produire et communiquer des études sérieuses sur nos différentes options de production. Donc, avant de se lancer dans un projet comme dire qu'on veut développer des nouveaux barrages et des nouvelles centrales, mais peut-être qu'on peut ne pas refaire les erreurs du troisième lien et plutôt se baser sur des études concrètes, des, des, des chiffres qui vont nous montrer bien, quelles options sont les meilleures en fonction des besoins. Et ben, Ensuite, il va falloir nous-mêmes, euh, en tant que société, identifier les critères de sélection des nouveaux approvisionnements, donc euh, des critères euh, euh, qui vont respecter les, les, les valeurs que je mentionnais au début, là, dont euh, la capacité de support euh, de, des écosystèmes. Euh, mais il y a aussi les critères euh, socio-économiques de gouvernance euh, à garder en tête. D'ailleurs, hein, euh, les barrages sont la solution qui est mise de l'avant par le gouvernement, mais on ne sait pas, comme je le mentionnais, si c'est vraiment euh, la solution. Euh, L'hydroélectricité ne représente peut-être pas l'avenir pour plusieurs euh, raisons, mais entre autres parce que euh, les énergies renouvelables euh, sont beaucoup moins chères qu'auparavant, de moins en moins chères en fait. Il y a aussi une baisse des coûts de stockage. Il y a aussi le fait que les centrales, c'est extrêmement long à construire. Ça a des impacts absolument non négligeables sur les milieux naturels. Et il y a au final assez peu de rivières qui n'ont pas été arnachées dans le nord de la province. J'aimerais quand même vous entendre. Donc, si vous voulez nous dire, vous, ce serait quoi votre premier critère pour choisir les nouvelles sources d'énergie au Québec Je serais très preneuse. On pourra en, en discuter durant la période de questions. Et je termine donc en résumant un peu les enjeux. Donc, pour planifier notre avenir énergétique, il faut... Nécessairement adresser euh, l'enjeu de la fin des surplus d'hydroélectricité au Québec, euh, va aussi falloir sortir les énergies fossiles de notre société le plus rapidement possible euh, pour atteindre la carboneutralité aussi dès que possible. Euh, ça, on va y faire face euh, en sortant de la logique de croissance infinie, euh, qui est malheureusement celle qu'on qu a de la part du gouvernement, celle qui est proposée par le gouvernement. Et si on ne le fait pas et qu'on maintient le cap sur la vision du gouvernement, ça veut dire qu'il va y avoir euh, potentiellement des tarifs d'électricité plus élevés parce que les coûts montent quand on a des projets d'envergure, des projets de centrales et, et de, de barrages d'envergure. Il y aura aussi des impacts inévitables sur nos écosystèmes et sur les communautés locales près de ces nouveaux projets-là. Donc, en gros, pour équitable, c'est évident qu'il faut éviter les visions à court terme et qu'il faut planifier une vraie transition énergétique structurante dès maintenant. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre stratégie, euh, on pense qu'il faut, qu faut absolument des composantes qui répondent adéquatement aux enjeux énergétiques et climatiques en même temps, donc de manière complémentaire. Euh, et donc, pour ce faire, il va nous falloir une vision systémique euh, qui va prioriser la sobriété et l'efficacité énergétique, qui va tenir compte des réalités de l'ensemble des Québécois euh, et, et ultimement, donc, favoriser l'adhésion de la population québécoise à ces projets-là respecter les capacités de notre territoire et qui va, une stratégie qui va établir des critères précis et ambitieux pour déterminer les industries à accueillir et développer chez nous et pour nous-mêmes déterminer quelles seront les sources d'énergie sur lesquelles on misera dans le futur. Euh, C'est dommage, mais faire tout, euh, toutes les mêmes activités euh, qu'on a toujours fait, en fait, et continuer à le faire dans une optique de, de croissance infinie, euh, mais en électrifiant tout, ben ça ne marchera tout simplement pas. Euh, donc, on propose vraiment euh, de repenser comment, euh, comment on, 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 on mène notre économie et, euh, et, et donc de, de faire moins, de faire mieux avec, de, de faire moins et mieux au niveau énergétique en misant sur la sobriété et euh, l'efficacité. Sur ce, ben, je repasse la parole à marie qui va pouvoir euh, vous dire euh, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces informations-là. Merci. Merci, Andréane. Donc, euh, la question qui tue, euh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc, là, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qui doit euh, arriver au niveau collectif. Euh, donc, bien sûr, ça passe par des politiques euh, que vous et moi, dans notre salon, ne pouvons pas mettre en place mais euh, on peut tout de même euh, agir pour nous assurer que, que ces choses-là soient mises en place. Donc, moi, c'est ce que je voulais euh, vous partager un petit peu euh, ce soir et vous présenter un peu notre vision des choses. Donc, euh, je commence avec un peu, <laughs> je fais un peu un, un, cours de, <laughs> un cours de mobilisation 101, ou en tout cas, du moins la, la, la vision qu'on a actuellement pour euh, faire tourner le vent, donc pour faire en sorte que... Euh, la, la, la vision euh, qu'on a, qui est une vision de justice sociale, une vision écologique ou, ou, et une vision qui est, est celle du bien commun, on va dire, avant tout, euh, soit prise en compte pour la suite. Donc, il y a trois grandes éléments de réflexion, trois grandes étapes pour nous. Donc, la première des choses, euh, intéresser et informer le grand public sur les enjeux de l'énergie. Euh, donc, cet été, comme je vous disais tantôt, il euh, y, y a un projet de loi qui va être potentiellement très important, puis des, qui va avoir des impacts sur des décennies, qui va avoir lieu à l'automne, donc en septembre. Euh, donc cet été, euh, il va falloir que... Euh, cet été et cet automne, il va falloir que tout le monde, que la population parle d'énergie, que ces enjeux-là soient sur toutes les lèvres parce qu'il va falloir que les gens soient prêts à réagir et à faire sentir au gouvernement que euh, les décisions ne peuvent pas être prises à la légère et que on est attentif à ce qui se passe. C'est un défi parce que, euh, on, on le vit aujourd'hui, puis on, on, on tente de le faire beaucoup. Les enjeux énergétiques, c'est assez technique. Euh, c'est pas nécessairement ce qu'il y de plus sexy. Donc, il faut vulgariser ça, rendre ça accessible, rendre ça concret euh, pour que euh, monsieur, madame, tout le monde ait envie de prendre le temps de s'arrêter puis de comprendre c'est quoi ça un terawatt puis la puissance, puis l'énergie, puis tout ça. Ce sont des choses que, euh, qui sont qu'on n'apprend pas, euh, qu apprend pas euh, dans la vie de tous les jours. Donc, Première étape, c'est d'intéresser et informer le grand public pour que les gens soient prêts à l'automne euh, et qu'ils ne puissent pas, je dirais, profiter ou en, du manque d'intérêt et de vigilance pour euh, aller de l'avant avec des réformes euh, qui pourraient avoir des impacts énormes et d'aller de l'avant sans résistance. Donc, c'est vraiment la première étape cruciale. Euh, je saute un peu du, du côté jaune parce que je vais me nommer tout de suite un peu c'est quoi nous, notre plan concret pour faire ça. Bien, ce qu'on va essayer de faire nous cet été, c'est une tournée euh, à travers différentes villes du Québec pour présenter un documentaire que vous avez reçu d'ailleurs euh, dans un, un courriel euh, d'inscription qui s'appelle Après la Romaine. Donc c'est un documentaire qui a été euh, réalisé où Roy Dupuis intervient beaucoup, qui est d'ailleurs disponible sur Tout.tv en ce moment et qui parle. Euh, des, des des enjeux autour de des infrastructures hydroélectriques mais plus largement des enjeux énergétiques au Québec et de la situation donc nous on va essayer d'aller à différents endroits pour présenter ce film là et pour avoir ensuite des discussions pour voir comment on est capable de se mobiliser tout le monde ensemble pour euh, pour euh, intéresser le plus de personnes possible à ces questions là donc, euh, le, le, je vous invite là, forcément à le regarder puis à inviter vos proches à le faire, les gens autour de vous. N'hésitez pas à liser abondamment parce que c'est vraiment un, une bonne porte d'entrée, à mon avis, pour essayer de comprendre puis de voir de manière concrète et tangible c'est quoi les impacts de notre énergie concrètement qui se passe des fois à des kilomètres d'ici, mais qui, mais qui sont très, très concrets. Euh, le, la deuxième étape pour faire tourner le vent, comme je disais, c'est de rallier une masse critique. Donc... On sait que le gouvernement qu'on a actuellement, le gouvernement de la CAQ, c'est un gouvernement qu'on qu pourrait dire pragmatique, un gouvernement qui est sensible au sondage, beaucoup. C'est souvent le cas du gouvernement en démocratie, c'est ça le principe, mais on a déjà vu le gouvernement de la CAQ se retourner par rapport à des décisions qu'il avait déjà prises à cause de l'opinion publique qui était forte. Donc, on pense à GNL Québec, par exemple, où le gouvernement était favorable à aller de l'avant avec le projet initialement, puis. Suite à un BAP qui a lieu avec une participation citoyenne record, il y avait eu plus de 2500 mémoires qui avaient été déposés. Le gouvernement, au sortir des conclusions de ce BAP-là, avait dit finalement, nous, on ne va pas de l'avant, on refuse le projet. On pourrait dire un peu la même chose du troisième lien, c'est peut-être pas exactement une même dynamique. Il y avait aussi une infaisabilité technique, mais il y a aussi eu une influence de la mobilisation citoyenne sur autour de ce projet-là, qui a fait en sorte que l'opinion publique a un peu changé de, de côté et que ça a fait en sorte que le gouvernement s'est ravisé. Donc, vraiment, masse critique, c'est ce qui va être important, donc d'avoir des personnes informées et ensuite prêtes, à, 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 prêtes à, à faire valoir leur voix politique pour dire, moi, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle décision si jamais celles qui sont proposées par le gouvernement vont à l'encontre du bien commun et euh, un peu de ce que nous, en tout cas, nous, de, de, de notre gros bon sens qu'on qu vous a présenté, selon nous. Et en troisième, euh, la dernière étape qui, qui est importante, c'est une fois qu'on est, qu est informé, une fois qu'on est, qu est d'accord, qu'on a une vision commune, c'est de se faire entendre euh, dans le cadre de, là, on dit de la consultation, on l'a nommé, la consultation, elle n'est pas adéquate, mais on va vouloir utiliser tous les véhicules et toutes les opportunités politiques, médiatiques pour faire pression. Donc, que ça soit via la consultation de cet été euh, ou des travaux... Euh, qui va avoir autour de projet de loi autour de l'automne. Nous, on va vouloir euh, essayer d'inciter euh, tout le monde à participer en masse. Donc, on va préparer du matériel, des trousses, euh, des contenus prédigés, des images, des outils pour faciliter au maximum la participation des gens, pour essayer de euh, mobiliser les personnes à participer à cette consultation qui aura lieu en plein été, <laughs> mais aussi euh, pour, pour, pour l'automne. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on compte faire. Puis, ah, j'ai oublié de, de nommer dans les propositions concrètes dans le bloc jaune, mais donc, pour rallier une masse critique, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? c'est mener différents types de campagnes sur le terrain. Il faut sortir de nos chambres d'écho. Il euh, faut, faut qu'on se parle en nous, mais là, il faut qu'on commence à se parler en dehors de juste nous. Donc, ça, ça implique d'aller sur le terrain. De mener ce qu'on appelle des campagnes de mobilisation de voisinage où on peut aller porter des, des lettres à des voisins euh, où est-ce qu'on se présente, puis qu'on explique euh, qu'on qu est intéressé par l'enjeu énergétique, qu'on les invite à, à s'y intéresser également et qu'on leur présente notre vision. Donc, ça, c'est le genre d'activité qu'on va vouloir organiser au courant de l'été et au courant de l'automne. Donc, ça, c'est notre, notre vision. Donc, euh, je vais vous expliquer un peu la logique politique derrière, la logique stratégique derrière, puis je vais vous présenter un peu c'est quoi notre plan de match qui s'en vient. Donc... Moi, euh, donc très concrètement, ce que je vous propose ce soir, là, pour, pour ceux qui tant de vous qui se sentent motivés et qui veulent agir, euh, donc à court terme, si ce n'est pas déjà fait, il euh, y a la pétition. Mais si vous êtes ici ce soir, il y a des bonnes chances que vous ayez déjà signé notre pétition sur l'avenir énergétique. Donc, si ce n'est pas déjà fait, euh, évidemment, euh, allez la signer. On est rendu à presque... On, on est dépassé le cap de 10 000 personnes qui ont signé. Puis ça, ça c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'avoir du poids auprès du gouvernement. Ça devient un argument de masse pour dire on veut une vraie consultation, on veut un vrai débat de société, parce que, comme je disais, on va essayer d'opérer dans le contexte actuel, mais on trouve que ça va être une occasion manquée, ça va être extrêmement dommage si la population ne peut pas débattre et dialoguer socialement avec un vrai, une vraie consultation comme un BAP générique, donc on continue de demander ça. Donc, signez la pétition si vous aussi vous pensez qu'il nous faut un vrai débat de société. Puis, pour ceux qui ont déjà signé, la deuxième étape, ce que vous allez pouvoir faire ce soir, puis ça va apparaître à la toute fin du webinaire sur votre écran directement. Vous allez avoir un bouton, vous allez pouvoir cliquer dessus si vous voulez. Donc, c'est de vous faire entendre par votre député. On se parle ici ce soir. Il y a eu l'annonce de, de la consultation qui a été faite récemment. Donc, je pense que j'ai un blanc parce qu'on est dans le webinaire, mais il n'y a, a, a pas une semaine. Puis cette annonce-là, elle n'a pas du tout eu de visibilité médiatique. Il n'y a pas eu beaucoup de, de backlash ou de résistance. Donc, c'est vraiment important qu'on parle à nos représentants au Parlement pour leur dire, nous, on, est, on, on a vu passer cette, cette annonce-là et on n'est pas d'accord et on veut, on veut une vraie consultation, on veut un vrai débat. Donc, prochaine étape, c'est de faire entendre votre voix jusqu'au Parlement en écrivant à votre député, à votre représentant élu. Donc, euh, il y a un courriel pré-rédigé que vous allez pouvoir euh, envoyer euh, dès maintenant. Donc, vous êtes les premiers à y avoir accès. On va le renvoyer par courriel dans les prochains jours, mais on va vous inviter à le faire. Donc, juste avant de quitter, à la fin de la période des questions, vous allez pouvoir cliquer dessus. Euh, puis, euh, vous allez pouvoir être amené à la page pour le faire. Donc, je vous invite vraiment à le faire si vous voulez euh, aider à mettre la pression à ce sujet-là. Puis, après, ben, à plus long terme, donc pas ce soir, mais plus tard, tous les éléments que je vous ai nommés plus tôt, donc ce que j'appelle notre campagne sur l'avenir énergétique qui va se dérouler pendant l'été euh, et à l'automne. Eh, nous, on cherche vraiment à recruter des personnes qui seraient prêtes à aller un peu plus loin puis à s'impliquer avec nous. Eh, donc, il va y avoir un, 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 un sondage à la, fin de, du courrier, à la fin du webinaire. Vous allez recevoir un petit courriel avec un sondage dedans. Moi, je vous invite à indiquer dans la question est-ce que vous voulez vous impliquer dans cette campagne? Nous indiquer si vous êtes intéressé à aller plus loin. On va eh, lancer on va contacter les personnes qui vont faire partie de cette équipe-là pour essayer de déployer toutes les actions qu'on a nommées euh, au courant de l'été et de l'automne. Donc, euh, je vous invite à, à le faire euh, via ce formulaire-là. Puis, évidemment, vous allez recevoir euh, d'autres contacts par courriel euh, par la suite euh, pour chacune des actions. Mais euh, le plus tôt, le plus tôt on, on vous a euh, parmi notre, notre liste de personnes engagées, euh, le plus rapidement on peut se mettre en action. Donc, euh, voilà, je vais vous inviter à faire ça euh, à la fin. Donc, euh, on passerait maintenant à la période de questions. Donc, euh, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Donc, si vous allez, comme je disais tout à l'heure, dans l'onglet questions qui se trouve normalement au bas de votre écran avec un petit point d'interrogation, euh, donc il y a déjà beaucoup de questions qui sont là. Donc, vous avez deux options. Ou bien vous pouvez euh, simplement écrire une question que vous avez en tête et cliquer sur poser une nouvelle question. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez aussi juste aller regarder les questions qui sont déjà existantes. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les questions qui ont le plus de, de votes. Donc, vous pouvez aller voter pour des questions qui vous intéressent particulièrement. Vous voyez complètement à gauche de la question, il va y avoir un petit, euh, un petit chiffre, un petit zéro ou un 1. Puis quand vous cliquez sur la flèche, vous ajoutez votre vote, donc ça fait monter la question. Puis on va essayer de prioriser les questions qui ont le plus de votes pour répondre aux questions les plus pertinentes. Puis si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre à la fin. Euh, ce qu'on va faire, c'est vous, vous demander de nous écrire par courriel à euh, l'adresse euh, info@equita.org. On la met dans le, le chat pour ceux qui veulent voir, puis on pourra euh, s'assurer de vous répondre euh, par la suite euh, comme, comme il y a beaucoup de questions. Donc, euh, donc euh, voilà, je vais commencer euh, à lire les questions, puis moi et Andréane, on, on, on va vous répondre. Donc, Bien, si tu me permets, Marie-Ève, je commencerai avec une raison, une, une question toute simple de Monsieur Camus, qui est très intéressante, euh, sur, euh, en fait, euh, la disponibilité de ce webinaire. Et euh, pour le montrer à tous vos proches et amis, ce sera possible euh, de, de, de le revoir en différé. Et qui sait, peut-être que Marie-Ève et moi euh, le redonnerons dans les prochains mois. Euh, mais oui, tout va être disponible, dont la présentation aussi euh, plus tard. Je te laisse poursuivre. Merci, Andréane. Tu, tu as l'œil pour, pour les bonnes questions. Donc, euh, donc, cette question est répondue. Donc, euh, la question que je vois en ce moment, qui a 22 votes, de Nicolas euh, de Kierogène, je ne vais peut-être pas lire les noms de tout le monde, ce n'est pas une bonne idée, je ne suis pas, pas très, très articulée. Donc, obtenir des engagements du gouvernement provincial peut, peut prendre du temps. Est-ce efficace de se concentrer sur les municipalités? Par exemple, quel pouvoir a une municipalité de stopper le raccordement au gaz des bâtiments, de subventionner le transport collectif, etc.? Donc, je passerai cette coque cette, cette à Andriane. Euh... Oui, bien, en fait, je pense qu'à notre échelle, en fait, on peut parler à, à, à tous, nos, euh, tous nos élus, peu importe le palier, en fonction de leurs différents pouvoirs, évidemment. Il y a beaucoup à faire du côté des municipalités. Euh, euh, en fait, on a vu avec les dernières élections municipales qu'il y a eu quand même une vague écologiste. Il y a eu entre autres bien, beaucoup de jeunes qui ont été élus et qui ont fait plusieurs changements. Ils se sont par exemple tous mis ensemble pour demander des, des, des milliards de dollars en adaptation parce que c'est ce que ça va coûter dans les faits. Donc, est-ce efficace de se concentrer sur les municipalités extrêmement? C'est un, un niveau gouvernemental qui a beaucoup d'impact. Sur, sur les émissions de GES. Donc la première étape, c'est bien sûr qu'elles aient les données pour, pour choisir quelles actions prioriser et quel pouvoir une municipalité a pour stopper le raccordement au gaz des bâtiments, bien, elle, peut, elle peut adopter une résolution qui signifie ce, son engagement à le faire et c'est ce qu'on vous. Propose de faire en fait dans le cadre d'une coalition dont Equiterre fait partie. La coalition sortons le gaz. Je ne sais pas si on va pouvoir mettre le lien là, mais malgré qu'on a cliqué sur euh, le fait, sur euh, euh, sur la question, mais euh, si oui, on va faire ça. Donc euh, oui, on a une action en ce moment en fait où on, on vous invite à écrire à vos, euh, à, à vos municipalités pour qu'elles demandent au gouvernement au gouvernement du Québec d'interdire tout raccordement euh, au gaz euh, des bâtiments, mais elles peuvent aussi le faire elles-mêmes. Par exemple, la ville de Montréal s'est engagée à le faire, la ville de Laval s'est engagée à le faire aussi. Euh, donc, les villes qui prennent des décisions difficiles, euh, des, des, décisions, des, des décisions courageuses euh, sont en mesure de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer la pression sur les villes. Subventionner le transport collectif, euh, ça, c'est plutôt de l'ordre du gouvernement provincial. Euh, par contre, elles peuvent favoriser la mobilité durable de différentes manières, euh, par exemple avec les, les aménagements urbains. Euh, par exemple, elles peuvent dissuader euh, l'achat la, la, de véhicules personnels et la possession de véhicules personnels euh, en mettant des taxes sur euh, les vignettes de stationnement, par exemple, ou comme la ville de Chicoutimi vient de le faire euh, à, à, au Saguenay, euh, d'interdire les gros véhicules sur certaines rues. Parce qu'elles prennent trop de place et nuisent à la sécurité. Euh, donc, il euh, y a vraiment toutes sortes de choses que les municipalités peuvent faire pour le climat euh, sur différents euh, sur différents fronts. Super. C'est une grande ouais. question. <laughs> mais c'est parfait parce que ça répond dans les faits aussi à une autre question euh, qui était posée par Christine. Je, je je retrouve mais qui demandait essentiellement également Christine Beaulieu, C'est quelles sont les actions concrètes? ou les règlements que peuvent poser les municipalités qui veulent réduire leur GES, comment peuvent-elles inciter, forcer leurs citoyens ou réglementer les pratiques agricoles et industrielles. Donc, je pense que tu as touché quand même à certains éléments. Je ne sais pas si tu as des, des, des compléments, mais ça, ça recoupe aussi cette question-là. Oui, bien. Euh... Encore une fois, euh, je, vais, je, vais, je vais tout simplement dire que euh, ben, c'est sûr que ce qui est euh, terre agricole, c'est plus euh, les, le, le gouvernement euh, provincial qui, euh, qui peut euh, agir. Euh, par contre, euh, ce que nous, on peut faire, ben, c'est, comme à, 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 à tous les niveaux de gouvernement, ben, c'est choisir les bonnes personnes au pouvoir, les personnes qui vont défendre les intérêts euh, de, de l'environnement. Et, euh, et donc, ça, ça, ça veut dire que les municipalités peuvent ensuite, elles, demander au gouvernement provincial d'agir quand c'est dans leur champ de compétences. Donc, ça dépend euh, toujours du champ de compétences, mais en tant que citoyen et citoyenne, on a toujours le, le pouvoir euh, de, de faire pression euh, à, à tous les niveaux. On a ensuite une autre question. J'essaie d'y de, 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 aller dans l'ordre, mais il ne s'affiche pas exactement. Donc, je suis désolée si je passe un 9 avant un 10. Donc, on a de 6 vite sur -côte. Quelles sont les positions des sur l'utilisation de la fusion nucléaire, de l'impact environnemental de l'exploitation minière du lithium? A-t-on une position à ce sujet? Grande question. Bien, premier volet euh, sur le nucléaire. En fait, euh, notre position est tout simplement que ce n'est pas une solution qui est appropriée pour le Québec. Euh, oui, peut-être que ça peut être envisagé euh, en Europe, dans certains euh, pays et ailleurs dans le monde. Euh, par contre, hein, pour chaque décision... Environnemental ou, ou énergétique, a, peu importe la solution qu'on prend, il y aura des conséquences. Par exemple, les barrages euh, ont un impact. Oui, aujourd'hui, c'est de l'énergie qui est propre, mais euh, c'est quand même euh, des, des, des quantités assez importantes de, de, de milieux naturels qu'on qu a perdus, qu'on a inondés. Il y a aussi le mercure dans, dans, les, barras, dans, les, dans les réservoirs qui s'accumulent. Donc, tu sais, c'est important de, de peser le pour et le contre. Puis aujourd'hui, aujourd au Québec, on a probablement beaucoup d'alternatives avant de penser au nucléaire. L'éolien est particulièrement prometteur au, au Québec quand, pour, pour d'éventuels nouveaux projets de production énergétique. Pour le deuxième volet de la question, l'impact environnemental de l'exploitation minière du lithium, c'est certain que... Euh, il faut favoriser tout ce qui va toucher à la sobriété et à l'efficacité. Je pense que vous l'aurez compris après le webinaire. Donc, de restreindre, de limiter au maximum l'exploitation minière. Euh, et quand c'est fait, ben, de le faire selon les meilleures pratiques environnementales et sociales. Euh, et c'est pour ça, on, on, entre autres, qu'on qu ne dit pas tout simplement euh, faut tout électrifier et tous les problèmes vont être réglés parce que euh, les batteries de véhicules électriques prennent énormément de ressources, euh, donc c'est pour ça qu'il faut miser sur euh, les, les mobilités collectives partagées euh, et, euh, et actives, pardon. <laughs> Excellent, donc, euh, donc sinon on avait répondu, puis en passant, j'ai mis le lien à la question de, de Nicolas sur, euh, sur j'ai mis le lien de la campagne sur ton gaz pour les personnes qui sont intéressées sous la réponse de Monsieur Nicolas, donc euh, plusieurs utilisateurs de VUS, donc question de euh, Rudy, plusieurs utilisateurs de VUS disent je paie, donc j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Comment changer cette approche délétère? Mais C'est une excellente question oui. euh, pour les euh, la question des VUS, en fait. Euh, ben, le constat chez kita c'est quand même que dès qu'on touche à des, euh, des éléments euh, très, euh, très importants liés avec l'identité des gens, par exemple l'alimentation, où euh, le mode de transport, euh, ça suscite des émotions très vives. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on a un, des grandes, grandes réflexions collectives à avoir sur ce qu'on valorise euh, euh, comme société. Mais euh, dans ce cas précis-là, euh, ce n'est pas vrai euh, que les propriétaires de VUS paient pour euh, leur. Euh, pour, euh, fait la juste part de la pollution qui est émise ou des impacts sociaux et environnementaux euh, des gros véhicules. Euh, en fait, euh, les personnes qui n'ont pas d'automobile euh, aujourd'hui au Québec euh, paient aussi pour les routes et les euh, infrastructures qu'elles utilisent euh, très peu. Euh, donc, euh, le, le coût d'utilisation, en fait, n'est pas, pas proportionnel. Euh, puis ensuite, paie pour le véhicule, certes, euh, mais en même temps, tu euh, euh, en fait, il faudrait évidemment taxer davantage mettre un, un frais plus important pour internaliser ces, euh, tous ces impacts-là euh, à l'achat. Euh, donc, euh, euh, oui, la SAQ a certain, une petite taxe sur les gros véhicules, les gros cylindrés, euh, le fédéral a un, un tout petit frais sur les véhicules de luxe, euh, mais dans les faits, euh, étant donné que c'est quatre nouveaux véhicules euh, sur cinq au Canada qui est un gros véhicule en ce moment, on ne peut pas dire que ces frais-là euh, sont dissuasifs et qui permettent vraiment de, de refléter. Euh, L'impact de ces véhicules-là sur l'environnement. Génial. Euh, on a euh, M. Alain mm, qui nous demande pourquoi ne pas faire un sommet alternatif sur l'énergie en septembre. Euh, ça, c'est peut-être plus une, une, question pour, euh, une question conjointe pour moi et Andréane. Euh, donc, euh, c'est certainement une, une option qui est intéressante. Je dirais, je, je, il est vrai qu'il y a des. Cette, cette idée-là qui flotte dans l'air, dans le mouvement environnemental, donc on, ne sait-on jamais. Il euh, faut quand même souligner que ça arrive vite, septembre, euh, qu'on est, euh, qu est tous pieds d'œuvre en ce moment euh, pour, euh, pour euh, organiser, je dirais, euh, la les, les trois étapes dont je vous parlais, le plan qu'on euh, qu qu essaie de mettre en œuvre de... De, de, de toucher des gens dans des communautés, dans des secteurs divers, de les intéresser à la question de l'énergie, de vulgariser tout ça, euh, puis ensuite de ça, de, de, de les amener à mobiliser autour d'eux, donc de vraiment créer une espèce de vague de mouvement. Euh, C'est sûr que pour Équiterre, ça va prendre beaucoup de nos énergies, donc euh, à moins qu'on <laughs> qu ait un, un, un super don spécial pour engager une équipe à ce sujet, ça sera un pas de notre côté, mais euh, j'ai déjà entendu cette idée-là flotter, donc... Euh, on vous ferait certainement signe si jamais cette chose s'organise. J'ajouterais juste rapidement que, euh, ben, étant donné que la plupart d'entre vous, euh, des 200 personnes inscrites, euh, vont nous envoyer leur nom pour s'impliquer davantage, et on pourrait, euh, pour, pourrait euh, peut-être avoir un sommet euh, organisé à bout de bras par euh, euh, un engagement citoyen fort. Alain, on va vous, on va vous écrire. <laughs> dû... Ok, you, Alain. <laughs> ok il euh, y a une autre question qui avait beaucoup de votes mais euh, qui, a, qui a eu des réponses mais je vais quand même peut-être la nommer peut-être il n'y a pas tout le monde qui, qui est peut-être habile à voir les questions donc on pourrait réitérer puis compléter donc Malika demandait pourquoi le solaire n'est-il pas, pas plus mis de l'avant au Québec en Ontario où ils ont la majorité de l'énergie produite en solaire au Canada euh, puis, euh, donc voilà je te laisserai peut-être répondre puis de lire en partie ce qui a été répondu par notre camarade en coulisses mais peut-être compléter également ah, je ne la vois pas. Euh, euh... ah, excuse-moi. Ben, C'est comme oh, il répondu. <rire> <rire> Dans le fond, euh, ben, la, la réponse est intéressante. La, la réponse de notre collègue Émile qui nous dit que, euh, ben, que historiquement, l'hydroélectricité était beaucoup plus abordable et donc euh, qu'on qu a plutôt misé sur ça. Euh, et donc, euh, ce n'est toujours pas rentable aujourd'hui d'installer des panneaux solaires euh, par rapport à ceux liés au réseau d'Hydro-Québec. Je viens de voir l'heure. En fait, donc je vais je vais mettre fin à la période des questions, mais c'est toutes des questions qu'on note puis ça nous aide à réfléchir. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir participé à la période des questions. Comme j'ai dit plus tôt, n'hésitez pas si jamais il y a une question qui n'a pas été répondue ou quoi que ce soit à nous écrire à l'adresse qu'on a mis qu'on a mis dans le chat de tout à l'heure. Donc info donc euh, nous, on va faire un plaisir de vous répondre, peut-être pas dans les prochaines 24 heures, mais on, on répond, euh, on répond euh, au fur et à mesure. Donc euh, voilà. Puis, euh, ben en fait, moi, je terminerai en, avec l'action dont je vous parlais plus tôt. Euh, donc, je ne sais pas, j'ai fait un signe à, à mes camarades euh, à la régie, mais euh, donc, vous devriez voir apparaître un peu à l'écran. Euh, un, un petit, un petit pop-up, comme on dit, euh, avec l'action dont je vous parlais plus tôt. Donc, si en sortant d'aujourd'hui, vous voulez nous aider à, à demander une vraie consultation, un vrai débat de société, euh, écrivez à votre député, à votre député local, pour qu'elle soit au courant qu'il y a des citoyens dans sa circonscription qu'elle représente qui pensent ça, puis qu'elle en parle euh, à l'Assemblée. Puis euh, également, ça euh, présente un peu, ça reprend un peu les éléments de la vision qu'on vous a présenté ce soir. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, ça va permettre également de partager les grandes lignes avec euh, votre député. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus euh, et, 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 et quitter. Et euh, vraiment, un grand merci d'avoir été là ce soir. C'est extrêmement encourageant de voir toutes ces personnes intéressées euh, sur l'avenir euh, de l'énergie au Québec. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup.